L'histoire d'amour entre Madonna et Guy Ritchie a duré 8 ans. En 2008, les deux stars avaient décidé de prendre des routes séparées. Avant de se plonger dans la paperasse du divorce, pour répartir leurs biens évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars. À l'époque, les médias anglo-saxons avaient évoqué des sommes folles autour de l'accord du divorce acté par les deux parties. Alors que le porte-parole de la chanteuse avait annoncé au Guardian que celle-ci verserait la somme de 50 à 60 millions de livres sterling à son ex-mari. Soit entre 56 à 67 millions d'euros. Pendant des mois, Madonna et Guy Ritchie se sont également disputés la garde de leurs deux enfants. Rocco, né en 2000, et David, né en 2005 et adopté par le couple en 2006. Et si certains couples ont gardé des liens forts malgré leur divorce, comme ce fut le cas pour Gwyneth Paltrow et Chris Martin. Madonna et Guy Ritchie se sont quant à eux évités comme la peste, la première reprochant notamment au second de l'éloigner de leur fils Rocco. Resté vivre au Royaume-Uni avec son père. En 2012, dans un long entretien accordé à Newsweek, Madonna avait évoqué indirectement les raisons qui l'avaient poussée à prendre son envol. Elle qui faisait alors la promotion de son film W.E., qui dépeignait la vie d'une femme malheureuse dans son mariage. « Je posais une question existentielle en réalisant ce film, une question qui je pense interroge les gens qui ont été mariés longtemps, qu'est-ce que l'amour parfait? Car au début d'un mariage, tout est parfait et agréable, et la personne à qui l'on est marié n'a pas de défaut. » Rembobinait-elle. Puis le temps passe, vous partagez une vie et il y a des ombres au tableau. Ce n'est plus aussi romantique. Vous vous dites, ce n'est pas ça à quoi je m'attendais. Qu'est-ce que je suis prête à sacrifier, avait-elle confié. À l'époque, des sources proches du couple avaient confié à People que Madonna et Guy Ritchie avaient perdu leur connexion. Ils vivaient des vies séparées et se montraient devant les caméras quand c'était nécessaire. Était-il indiqué? Selon les rumeurs, Guy Ritchie se serait également lassé de l'implication forte de Madonna dans la cabale. Un mouvement religieux, mais aussi de la lumière qu'attirait leur couple. Elle était beaucoup plus attirée par la célébrité que lui qui était plus discret. Il voulait vivre une vie normale à Londres mais c'est impossible quand vous êtes marié à Madonna. Avait ajouté la source. Depuis, le réalisateur britannique a refait sa vie avec le mannequin Jackie Hinsley, avec qui il a accueilli trois enfants.